Le 1er mai, c'est l'occasion pour le président du MR, Olivier Chastel, d'exprimer ses intentions, les défis à relever, les moments de l'actualité qui ont marqué le pays pendant une année. C'est aussi pour lui l'occasion d'adresser un message aux autres familles politiques. Quel plaisir de vous retrouver nombreux pour ce 1er mai ici à Jodogne. Vous l'aurez compris, c'est la 25e fois que notre famille politique honore le travail. D'autres semblent découvrir que l'on peut célébrer le travail puisqu'ils nous ont rejoints le long de notre parcours à Jodogne ce matin. Et finalement, ils ont fait un bon choix, Jodogne, parce que d'autres, leurs collègues socialistes, ils se sont envolés sous le soleil de Cuba. Nous sommes rassemblés pour célébrer le travail. Avoir un travail, c'est la meilleure source d'épanouissement de l'homme. Le travail, grâce auquel chacune et chacun peut se révéler, se dépasser, s'accomplir. Le travail, c'est aussi une source de liberté et, j'aime le répéter, une des valeurs fondatrices de notre mouvement. Mais le travail est par-dessus tout la première et la meilleure des protections sociales. Le mouvement réformateur a un projet ambitieux pour la Belgique. Son président ne souhaite en effet pas tomber dans les petits jeux politiciens. Il souhaite que tous les libéraux soient rassemblés pour un mieux vivre ensemble, pour défendre un projet commun. Je souhaite aussi aujourd'hui lancer un appel au Parti socialiste d'Elio Di Rupo et au CDH de Benoît Lugène. Elio, Benoît, là où vos équipes exercent des responsabilités, invitez-les à s'engager aussi pour l'emploi, à assurer les réformes indispensables pour rendre le marché du travail efficace, pour soutenir les investisseurs, les entrepreneurs et la création d'activités, pour aussi assurer la formation des trop nombreux chômeurs en Wallonie et à Bruxelles. Nos régions méritent un projet d'avenir basé sur la confiance. Nos concitoyens attendent ce sursaut. Il dépend de vous. Et je vous le dis, une telle dynamique, si vous mettiez en place une telle dynamique, les réformateurs vous apporteront leur soutien. Ce projet nécessite notre indéfectible engagement. Cette vision est la nôtre. Notre société en a besoin. Ensemble, de plus en plus nombreux, nous sommes engagés pour l'avenir. Bonne fête du travail, vive le mouvement réformateur et l'Open VLD. Le 1er mai, c'est aussi une opportunité pour beaucoup de citoyens d'entendre les ténors du Parti libéral, à l'instar par exemple de Charles Michel. Cette année était dès lors un peu particulière puisque c'était le premier 1er mai du nouveau Premier ministre de Belgique. Il a profité de son allocution pour revenir sur la nécessité pour le MR de monter au gouvernement fédéral. Je sais bien que le choix que je vous ai invité à prendre durant cet été n'était pas le choix le plus facile. Je sais aussi qu'il est plus simple de ne pas décider. Je sais aussi qu'il est plus simple de ne pas réformer. Je sais aussi qu'il est plus simple de dire ce que les autres ont envie d'entendre. Mais nous ne sommes pas comme ça. Et puis, les citoyens sont lucides. De plus en plus, ils savent, de plus en plus, ils ressentent qu'il faut aujourd'hui prendre des décisions. Parce que ne pas décider aujourd'hui, c'est la garantie de la certitude de reculer demain. Charles Michel a également réexpliqué l'engagement du MR au sein de ce gouvernement fédéral, imprimé par une empreinte libérale certaine. Car, comme il le dit lui-même, une chose promise est une chose due. En fait, ce projet de gouvernement, il est aussi simple que solide. C'est le développement économique tout entier au service des solidarités. Nous avons pris immédiatement, dans les semaines qui ont suivi la mise en place du gouvernement, des mesures concrètes pour encourager les PME, pour encourager les indépendants, l'exonération des trois premiers emplois pour les PME, la mise en place, il y a quelques semaines, d'une nouvelle forme de tax shelter pour encourager l'investissement dans les micro-entreprises et dans les start-up, la mise en place pour le secteur de l'horeca, des flexi-jobs afin d'encourager le travail à temps plein, de faciliter
le recours aux heures supplémentaires, la mise en place d'un agenda digital avec l'ambition de créer 50 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2020, 1 000 PME supplémentaires, l'autorisation du travail de nuit pour l'e-commerce. Et enfin, parce que chose promise, chose due, la liberté de travailler pour les pensionnés qui le souhaitent sans limite de rémunération et l'alignement des pensions des indépendants sur celles des salariés.